Corus Nouvelle. Vendredi 29 janvier, ici Jean Lefebvre, voici ce qui retient notre attention. Le gouvernement Harper se réjouit de ne pas être obligé de rapatrier Omar Kader, détenu à Guantanamo. Le bilan des victimes canadiennes du séisme en Haïti grimpe à 22. Et Corus Entertainment ferme les micros de la station de radio Info 690 à Montréal. Corus Nouvelle. La station de radio Info 690 a cessé ses opérations ce matin. Au moins 10 personnes, des journalistes, des chroniqueurs à la circulation, ainsi qu'un technicien, perdent leur emploi. Le propriétaire de cette station d'information continue, Corus Entertainment, affirme avoir perdu plusieurs millions de dollars dans cette aventure. Mario Cecchini est vice-président de Corus. Décision difficile, devenue incontournable. On avait l'impression de repousser une certaine échéance parce qu'on regardait par en avant et on se disait on va essayer de trouver une solution, on va essayer de trouver une autre solution. On a fait des restructurations et on arrive au constat aujourd'hui inévitable de voir que le futur n'est pas viable en ce sens-là. Le porte-parole du syndicat des employés, Claude Hébert, parle de son côté de suppression d'emplois injustifiée dans le contexte actuel. Ça fait 8 ans qu'on a l'épée de Damoclès au-dessus de la tête avec l'OAM qui fonctionne mal. Ça, je peux l'acheter. Inévitable, la coupure de postes. Je trouve que c'est très évitable. Les autres stations CKAC, CKWA et 98.5 vont très bien. Le Corus fait des profits à Montréal et je pense que ces coupures de postes-là sont pas justifiées. Corus a aussi annoncé la fermeture définitive de 940 Greatest Hits.